Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Vous allez apprendre aujourd'hui à jouer Jolene de Dolly Parton. Ce riff bien connu des amateurs de picking, il est carrément excellent. On va passer ensemble en revue les principales difficultés de ce morceau et je vous assure qu'aujourd'hui, on va le démystifier. Vous allez comprendre pourquoi vous n'arriviez pas à le jouer. Donc au travers de 5 points, eh bien, je vais vous expliquer comment vous allez enfin pouvoir apprendre à le jouer. Rassurez-vous, comme vous, j'ai essayé de jouer ce riff et j'ai été confronté à la première difficulté, c'est celle des transcriptions. C'est pas qu'il n'y en a pas de transcriptions, c'est qu'il y en a trop. En fait, vous regardez sur Internet, il y en a des tonnes. Même les versions payantes ne m'ont pas satisfaite. Et pour cause, en fait, quand vous regardez les versions live de ce morceau, c'est-à-dire quand vous écoutez Dolly Parton le jouer avec ses différents orchestres, eh bien, il ne le joue jamais de la même manière que la version studio. Alors, la version studio, c'est la plus belle, elle est magnifique. Il y a ce petit motif picking à la guitare qu'on veut tous apprendre. Ces transcriptions approximatives font que ce riff est difficile à apprendre. Et donc, ça nous amène au point numéro 4. Eh bien, c'est le fait qu'en fait, il y a deux guitares. Donc, c'est une guitare qui va déjà assez vite avec un riff un petit peu complexe, qui est un petit peu masqué par la très belle voix de Dolly Parton. Mais nous, on voudrait bien entendre les notes à la guitare et... il est magnifiquement arrangé avec une deuxième guitare. Donc on a une guitare nylon, corde en nylon, pas une guitare en toile de tente, et une deuxième guitare avec les cordes en acier. Et cette deuxième guitare, elle arrive progressivement et dans le morceau et elle enrichit la première guitare. Aujourd'hui, vous allez apprendre les différents motifs joués par la guitare avec les cordes en nylon. Numéro 3, ce morceau, il est rapide. Et oui, le tempo est déjà assez rapide, mais on a de la double croche. Et si vous regardez les transcriptions, c'est un petit peu effrayant de prime abord. C'est pour ça qu'on va voir comment décortiquer ça de manière claire et intelligible. La plupart d'entre vous, eh bien, vous avez essayé de le jouer à fond la caisse dès le début. Je le sais, je vous connais et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à le jouer. Pourquoi ? Parce qu'il faut l'apprendre avant d'essayer de le jouer vite. On va simplifier au maximum pour pouvoir apprendre le motif, pour pouvoir le mémoriser. C'est la première des choses. Donc, au revoir les doubles croches, on va remplacer ça par des noirs et par des croches. Et bien sûr, on va retirer le capot d'astre puisque on veut simplifier au maximum. Vous aurez tout le loisir et toute la liberté de le remettre plus tard sur votre guitare. Pour que ce soit agréable de tenir le manche de la guitare, le pouce, il va être vers le haut comme ceci. Ça va vous permettre de mieux positionner vos doigts pour former autour d'un La mineur, un La sus 2, c'est-à-dire que vous allez avoir la corde de Si à vide. Et vous n'allez pas être tenté de jouer la corde de Mi grave, puisque cette corde-là, on n'en a pas besoin pour le riff principal. On va utiliser le pouce, l'index et le majeur. Seulement 3 doigts pour jouer ce motif. Donc on va alterner avec le pouce, attention, la 5e et la 4e corde. Donc La, Ré. Attention donc, la main côté chevalet, c'est celle qui nous intéresse. On va avoir ce petit motif qui, pour moi, est un motif de remplissage avec 1, et 2, et 3. Vous pouvez faire pouce, index, si vous voulez. Pour ma part, eh bien, mon majeur il est plutôt programmé pour accrocher la corde de Si. Les doubles croches, donc, on les enlève et on va avoir un motif au lieu d'une seule mesure qui va être étalé sur 2 mesures. C'est ces 2 mesures que c'est 2 mesures que vous devez apprendre. Ensuite, sur le 4e temps, on a le hammer-on. Donc c'est là en fait où va arriver le La mineur. On va accrocher simplement 2 cordes. Alors la main côté chevalet, elle accroche la corde de Ré et la corde de Si, elle va être jouée en fait avec le majeur. Vous pouvez faire avec l'index et le pouce. Moi, je fais avec le majeur et le pouce. Et je vais frapper en fait un La mineur complet, ou du moins sa forme ici avec le Do, le Mi, le La, ou le La, Do, Mi, pardon. Les 3 cordes, mais on va entendre simplement les 2 cordes. Puisque j'accroche simplement 2 cordes avec la main côté chevalet.
Alors oui, ça se joue en picking, c'est pour ça qu'on est là. Donc, on sort l'onglet pour l'occasion. Si vous n'avez pas d'onglet, pas de panique, vous avez le droit de le jouer au pouce. C'est pas un souci, c'est vraiment pour se faire plaisir qu'on met l'onglet pour avoir ce son un petit peu plus percussif pour les basses. La mesure suivante. Donc on l'a croche, croche, noir. Là, on va raccrocher deux cordes. Et ensuite, le pull-off sur la première case. Vous n'avez pas besoin de jouer du tout le La mineur. Donc on va le compter lentement comme ceci. 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2, 3 et 4 et... Se termine donc par ces cordes à vide. Vous entraînez très lentement comme ceci. 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2, 3 et 4 et... N'essayez pas, s'il vous plaît, de le jouer à fond la caisse avant de l'avoir appris. Ceci ne fonctionne pas, je peux... En témoigner, j'ai essayé, ça ne marche jamais. Vous n'arriverez jamais à jouer vite quelque chose que vous n'avez pas encore appris. Alors, comment on fait ? Vous allez déjà essayer de le jouer 5 fois d'affilée, très lentement, sans faute, en lisant la transcription. Et puis ensuite, une fois que vous l'avez mémorisé, eh bien, entraînez-vous à le jouer 10 fois d'affilée à une vitesse suffisamment confortable pour que vous ne fassiez pas d'erreur. Une fois que ceci est réussi, eh bien, alors, félicitations. Maintenant, vous allez pouvoir essayer d'augmenter la vitesse, d'augmenter votre vitesse d'exécution. Mais sachez qu'une fois qu'on sait le jouer, une fois qu'on se souvient quel doigt joue quelle corde, eh bien, je vous assure que la vitesse, en fait, elle commence à apparaître naturellement et vous allez commencer à trouver ça assez facile à jouer. Donc, vous allez pouvoir développer votre vitesse. Vous pouvez légèrement étouffer avec la paume de la main contre les cordes pour avoir un son un peu plus dynamique. Ce riff en croche, eh bien, il suffit de le jouer deux fois plus vite, entre guillemets, pour obtenir son équivalent en double croche. Donc la raison numéro 2, eh bien, c'est qu'il faut être déjà initié au picking pour comprendre comment on joue ce riff. Si vous êtes débutant avec la technique du picking, c'est-à-dire ces basses alternées avec ces arpèges joués au doigt, eh bien, vous allez trouver ce morceau effectivement difficile et je vous assure que, étant un amateur de picking moi-même, j'ai trouvé ce morceau assez difficile dès le départ. Donc, c'est pas pour vous décourager, c'est simplement au contraire pour vous rassurer. Si vous le trouvez difficile, c'est qu'il est difficile. Donc, il n'y a pas de panique, pas de souci. Avec votre technique guitare, vous devez juste travailler progressivement et peut-être commencer par des morceaux qui sont, on va dire, un petit peu plus basiques. Si vous vous intéressez à la technique du picking, que vous voulez débuter avec un morceau plutôt facile, plutôt accessible et encourageant, eh bien, je vous conseille le Dervish Turner de Marcel Dadi. Donc, c'est une petite étude pour guitariste. Il est très sympa à apprendre et vous pouvez le jouer, vous allez le voir, à toutes les vitesses. On arrive à la raison numéro 1, la dernière raison pourquoi ce morceau, eh bien, il est si difficile à apprendre. Eh bien, c'est parce que, en fait, vous avez 3 différents motifs de picking à apprendre. Par contre, le morceau est construit de manière assez prévisible. Et ça, c'est quand même rassurant. Je remercie Dolly Parton parce que ce morceau est assez court. Il fait moins de 3 minutes. Donc, c'est pas une montagne non plus. Vous avez le riff de l'introduction qui fait comme ceci. Ensuite, on a le riff du refrain, celui que tout le monde chante. Méfiance, dans celui-là, on a cette fameuse mesure à 2 temps. Et enfin, on a le riff du couplet qui est légèrement différent. Les différents motifs de la mineur, de Do et de Sol ne vont pas arriver exactement
de la même manière. Et c'est ça qui fait qu'au départ, ce morceau, il est difficile à comprendre. On se dit, bon, déjà, il y a ce motif de picking de l'introduction. Est-ce que je dois le jouer du début jusqu'à la fin? Non, en fait, il y a des variations. Et si vous écoutez bien la version studio, eh bien, ça va être rarement joué deux fois d'affilée de la même manière chaque motif sur chaque arpège. Je vous invite vraiment à vous procurer la tablature au format PDF et au format Guitar Pro. Guitar Pro, c'est cet éditeur de tablature qui va vous lire les tablatures. Donc, vous allez voir exactement avec le petit curseur à quel endroit il faut jouer telle note. Vous allez pouvoir ralentir également le tempo et ceci, ça va vous aider. Pour les membres de la chaîne Roue Guitare et pour les tipeurs que je remercie, eh bien, je vous ai fait une vidéo bonus où je vais expliquer tous les riffs en détail. On va les décortiquer du couplet, du refrain et de l'introduction de Jolene de Dolly Parton à la guitare. Donc, vous allez savoir toutes les notes de ce morceau. Merci infiniment de vous abonner à la chaîne Roue Guitare. Je vous retrouve avec impatience pour un prochain tutoriel. À très bientôt. Bye bye.